Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 82 de Skyrim. Il est 14h58 et je suis perdu. On est le 9 mars 2015. Perdu dans les années, t'es un grand. Bref, 2015. Il y a son cheval. Wow. Ça c'est stylé, le cheval. Ouais. Bon, je l'aime toujours pas promener, mais. Alors, faut localiser. Viens, Kyle. Non, enlève-moi ça. Aube étoile. C'est assez simple, je trouve tout assez simple. On va se péter Cicéron, on va lui faire les dents. Ce fou, ce malade. Et ils arrivent quand même. Bon, discret, c'est comme Batman arrive avec la Batmobile, quoi. Bon, bah là, j'arrive avec un cheval de la confrérie noire. C'est bizarre, il n'y a pas de dragon d'habitude, toujours. Bon, j'espère que tous mes modes sont activés. Tiens, en parlant de mode, je sais que je peux. Quelque part, si ouf. Non, je ne sais plus. Ah, et ici, il y a un. Dans ce coin-là, je crois, il y a un coffre caché, me semble-t-il. Ouais, c'est bon, j'en ai autre. Je sais plus où exactement, mais je sais qu'il y en a un. Ah, c'est un coffre caché, buggy en fait. Bon bah fin dragon. Okay. Il est où mon cheval? Il a des pop? Ah d'accord. Dragon glace, je pense que si j'attaque au feu, c'est pas mal. Bon allez, dans ta bûche, on prend tout. Bon bah grave. Ah non, il est là. Putain, il est stylé avec ses yeux. Alors, juste excusez-moi, parce que ça va m'enquiquiner. Cri, appuie sur la touche. Je voudrais un clic molette. Un clic molette. Merci, M3. Il y a mis du temps à se mettre en fait. Voilà, merci. Moi j'ai pris son arme. Le mec, attends, on vient de battre un dragon, je viens de faire ça tout tranquillou, toi. Par les dieux. Donc oui, alors, c'est dans le coin, je sais plus où exactement. Selon une certaine position, il y a un coffre caché. Faudrait s'accroupir, etc. Et en fait, c'est le coffre d'un marchand, et on lui vole tout. Mais c'est légal, c'est juste un bug, en fait. Enfin, c'est un des bugs. Ça a peut-être été corrigé, maintenant. Mais... Fond dragon blanc, on va prendre impulsion. Ouais, nah, pas le cast. Ouna. Ah, si c'est rond. Il est mousse un malade, mec. J'aurais dû deviner qu'Astrid vous enverrait. Blessé? Qu'est-ce qui m'a trahi? Ouais. Il faut reconnaître que ce petit bouffon manie bien le couteau à beurre. Mais ne vous en faites pas, je lui ai rendu chaque coup. D'accord. Et si c'est à l'intérieur, il a franchi cette porte. À première vue, c'est un vieux sanctuaire.
je l'aurais bien suivi, mais je ne connais pas le mot de passe. Bon, je le connais. Je connais la phrase. Rentrez chez vous, je vais aller chercher 600. Très bien. Vous m'avez convaincu. Je doute que je vous aurais été d'une grande utilité de toute façon. Ce petit coquet m'a entaillé bien profondément. Mais je l'ai bien tailladé. Je pense lui avoir tranché une artère. J'ignore ce que vous trouverez là-bas, mais il vous suffira sans doute de suivre les traînées de sang. Pas mal. Bravo. Bon travail, merci. J'aimerais bien te soigner, mais... Putain, le curé. L'innocence, mon frère. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, l'innocence, mon frère. Numéro 2, vous voyez une jeune femme en deux. Bienvenue chez vous. Vous avez vu, je m'en suis souvenu. Hey, oh, oh! Oh, is there something hard in your pocket? I found it when you brushed. Je savais que vous viendriez! Le meilleur rival pour le meilleur guerrier! Astrid savait qu'ils ont un imbécile de loup! Ne pourrait pas assassiner le futé! Cicéron! Alors, bon, on va faire un petit peu de lecture. Oh la vache, tout ce qu'il y a! Parce que j'aime bien. Regardez le Sepim, c'est vrai, lu. Ah oui, j'essaie de prendre le livre qu'on n'a pas lu quand même. Alors je m'en souviens de quand même quelques-uns. Alors moi, quand je fais le montage, souvent je les lis. Voilà. Le Seigneur, la bonté, le rituel, ça c'est génial, ça par contre, ça c'est vraiment à lire. Et ça c'est bon. Il nous en restait deux ici. Les deux nerds. Nordique à bord de ciel. Voilà. Bon, on n'aura pas eu de petits bonus de cadeaux. Hop! Putain, je suis l'oreille noire, mec! Ouais! Putain, quoi! Ça. Alors, pourquoi je me dis soin à chaque fois? C'est parce que ça augmente les. Ça augmente les compétences. Alors, j'ai un nouvel écran, j'y vois moins bien. Donc, je pense que j'y vois quasiment comme vous, niveau luminosité. C'est pour ça que quand vous êtes dans le noir, bah moi aussi. Parce que sur YouTube, ça assombrit pas mal. Même si maintenant, en 60 FPS, j'ai l'impression... Enfin, depuis qu'on est passé à 60 frames, j'ai l'impression... C'est peut-être qu'une impression, hein. Ouais, c'est bien, il suit les traces de sang, de toute façon, il n'y a qu'une route. Donc depuis qu'on est passé en 60 frames... Bah, il s'achète ! Elle m'a demeuré bien défendue ! Oh, il a pris une flèche dans les yeux. Joli. Bravo les filles. Ah d'accord, il y a des pop. Ok. Bravo. Ah merde. Prendre de cuillère, ça me sert à rien. Je vais prendre le son de tir. Ah, l'archerie, voilà. Alors, quel méril a. Je prends. Feu et ténèbres. Ah, une main. Tiens donc. J'aurais plus dit destruction. Mais c'est pas grave. Hein. Ouais, ça nous fait beaucoup de lecture. Hein. Donc la vigueur, non. Hey!
Ouais, bah, attendre, hein. Je vais cramer, moi. Bah, vas-y, crame, c'est pas grave, Sophie. Ah. Bon, bah, au final, avec les filles, j'en encore une fois une, hein. Donc, non. Y a rien qui brille, hein. Arc Orc. Ah, un Arc Orc. Prenons. Gant de fer. Alors, je sais aussi que quand on prend une assiette en bois dans... J'avais essayé. Dans la confrérie... Dans le... Chez les voleurs. Vous êtes toujours en vie, ah. Cicéron respecte bien entendu les attitudes de l'oreille noire. Mais pourriez-vous au moins ralentir un peu? Je ne suis plus tout jeune. Oh oui. Donc, je peux rien prendre, ok. Disais-je, dans la souricière, quand on prend le plateau, on fait une impulsion contre un mur, on arrive dessous. Ouais, c'est, il y a des glitches. Hein. Et on se retrouve... On se retrouve... Ah, je peux vous... On se retrouve sous la map et on peut récupérer dans un coffre aussi, mais il y a masse de thunes. Ah, elle est barrée de l'autre côté, ce sera pour le retour. Donc là... Oh, et du sang, putain la vache, mec, tu t'es vidé, quoi. Par contre, c'est par... Il fait froid. Ah, j'imagine. Et vous allez adorer. Pas vraiment une partie originale du sanctuaire. Appelons ça un rajout forcé. Forcé par quoi? Oh. Ah. Oh, oh, oh. Ok, je pense qu'on le récupérera tout à l'heure, mais... Voilà. Alors, je devrais peut-être pas aller là maintenant. On a quoi là-dedans? Touche or. Un orc. Allez, vas-y, on prend, je me sers. Reste de troll, c'est pas mal ça. Ah, il y a du sang, voilà. Donc c'est là. Donc. C'est ici, c'est super. Pardon. This isn't one of those boy meets girl clichés, is it? Oui, oui, c'est par là. Je suis bête. Ah, désolé. Attends. Hep, 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 sauvegarde, hein, rapide. Ah, ils avaient mal. Disons que c'est du passé. Voilà tout. Comment dites-vous? Non, non. Il y a un moment, tu vas bien. Putain, le mec. Putain, merde! Oh, j'ai juste au pire. Good job. Ah, putain. Oh, putain. Bon, vous êtes prêts pour un quart d'heure, les gars? Oh, putain. Ah, c'était le... Bon, l'avantage, c'est que c'est juste... Ah, moins... Hein? Ah.
Ah, c'était là, d'accord. Oh vache, 52. Donc un bâton de flamme, c'est génial. Une épée de fer. Ah, d'accord. Ah oui, déjà renommé. Super. Voilà. C'est génial. Ah, d'or et de rubis, c'est exactement ce que je voulais casser. C'est or, rubis ou. ou or et émeraude. J'adore ce jeu-là. Alors, j'ose pas à chaque fois, puisque les nanas se cognent devant. Et. Enfin, se cognent. Elles se collent devant moi. Et du coup, c'est super chiant. Donc, je sais plus d'où je viens. Je viens de là, d'accord. Pourquoi tant d'empressement ? F5. Ça peut vous rassurer, je me sens un peu mal, mon bizarre. Ce stupide lézard s'est mis sur mon chemin. Mais dites-moi que cette chienne s'est vidée de son sang. Non, non. Par contre, toi, oui. Tu t'es vidé, là. Nous voilà à l'issue de notre petit jeu. Le grand final. Ah, je peux pas ressortir. Non. Donc ça c'est la sortie. Voilà, très bien. Sauvegardeur. Et tu es ici, Cicéron. Instrument de torture. Prendre. Qu'est-ce que je prenne ça, moi. Je fouille un peu, tu m'excuses, hein, Cicéron. Je te laisse un peu en stress. Tiens, t'es dans une salle de torture. Vous m'avez eu. Je me rends. Il n'y a qu'un seul remède à votre démence, Cicéron. Moi. Oh, j'adore. Excellent, excellent. Il y a de l'idée. Me tuer serait une grave erreur. Oh, que oui. Oseriez-vous contrarier notre mère ? Car c'est également votre mère, n'est-ce pas ? Oreille noire. Passez votre chemin. Épargnez, Cicéron. Dites à Astrid que c'est fait. Vous avez poignardé, étranglé et noyé, Cicéron. Un mensonge de rien du tout. Bon, on a le choix, hein. Cicéron, un dernier mot. Je m'en remets à vous. Cicéron ne peut plus se battre. Laissons Cytis accomplir notre jugement dernier. Attirez le coup fatal du plaisantin. Vous me croyez déjà mort. J'arrive. Oh. Bon bah si c'est rond, je prends ton stuff. Donc je suis trop lourd évidemment. Ah, ça va plus le graillon là. Oh, 25% de hop. Ah merde. Voilà. Voilà. Dague. J'aime aller. Ah, en solution. Oh putain. Encore là. Ouais. Que puis-je faire pour vous, Tal? J'ai besoin que tu me prennes. Rien. Putain, t'es déjà. Alors allons-y. T'es déjà rempli, toi. I'm all ears. Please, don't you them. Is it because you're scared what I might do with it? Ah, vache. Pose de dragon. Et je vais t'ordonner. Allez, on fera un tour à la maison. I'm here, if you ever need me. Ok, donc là on est plein blindé. Bon, il nous reste combien de temps d'épisode hein? Il nous reste. Ah. On a fini. Voilà, c'est tout simple.
Tiens, c'est parti. Oh la vache. Ok, donc go to informer Astrid. Merci pour ton cheval d'ailleurs. J'en avais un, mais c'est gentil, maintenant j'en aurai un autre. Je pourrais en avoir plusieurs. Tiens, d'ailleurs, je peux enlever ma torche parce qu'on y voit ici. C'est bon, je l'ai buté. Arnbjorn est sain et sauf. Vous avez toute ma reconnaissance. Mais qu'en est-il de ce fou ? Cicéron est-il mort ? J'aurais bien ramené cette tête, mais je me voyais pas me battre avec. Oui, il est mort. Enfin, me balader avec. Parfait. Une fois de plus, vous avez prouvé que vous avez le meurtre dans le sang. Je vais vous dire, vous n'avez qu'à garder crin d'ombre un peu plus longtemps. C'est un beau destrier, et il n'a pas beaucoup eu l'occasion de galoper ces derniers temps. Ouais. Maintenant que nous nous sommes occupés du sort de Cicéron, nous pouvons retourner à nos moutons, n'est-ce pas ? Bien sûr. L'empereur. Il nous reste une dernière cible avant de nous en prendre à l'empereur. Ah. Avez-vous entendu parler du gourmet, par hasard ? Ou lu son livre de recettes. Bon, c'est un. C'est devenu un sacré phénomène. Le gourmet va cuisiner pour l'empereur au cours d'un dîner privé. Vous le tuerez, volerez son laissez-passer et endosserez le rôle de chef cuisinier. C'est tout ça. C'est Festus qui dirige cette partie du plan. Il est à deux doigts de découvrir l'identité du gourmet. Vous devriez aller le voir. Ok. Bon. Alors, Fatal Reset. Il y a un petit peu de son ? Non, je sais plus. J'ai peut-être déjà eu les sons en fait. D'accord. En fait, j'ai attendu. C'est pas à moi d'attendre. On va s'arrêter là pour l'épisode de 83. 82. Je vous donne rendez-vous là, jeudi. Vendredi. Je vais jamais y arriver. Pour l'épisode 83. Ah, c'est un bel épisode puisque c'est mon année de naissance en fait. Enfin, c'est tout. Ça sert à rien, mais c'est tout. Moi, ouais, j'aime bien ces chiffres-là, moi. Ouais. Et donc, moi je vais vider les inventaires et on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ouss.